يارس. سي ان هيل حبيبي. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la pause café. Ici, le temps d'un café, nous discutons des petits détails qui peuvent rendre un jeu vidéo très bon ou très mauvais. Aujourd'hui est un jour de pluie, comme vous pouvez le voir, alors chaussez vos plus belles bottes, prenez vos parapluies et servez-vous un bon americano. Of all you young sailormen, listen to me. I'll sing you a song of the fish in the sea. And it's windy weather, boys, stormy weather, boys. When the wind blows, we're all together, boys. Blow ye wind westerly, blow ye wind flow. Jolly sou'wester, boys, steady she go. Up jumps the hail with a slippery tail. Climbs up aloft and reefs the topsail, and it's windy weather, boys, stormy weather, boys. When the wind blows, we're all together. But blow ye wind westerly, blow ye wind blow. Jolly sou'wester, boys, steady she go. L'eau, élément indispensable à toute vie, vu qu'elle est le deuxième ingrédient le plus important du café. L'eau fait de nombreuses apparitions dans les jeux vidéo, parfois en tant que figurante, et parfois en ayant un rôle beaucoup plus important à jouer. Mais s'il est amusant de sauter dans les flaques d'eau de la réalité, eh bien parfois mieux s'abstenir dans les jeux, tant certaines représentations évoquent plus une molasse gadouilleuse qu'une source d'eau rajeunissante. L'eau, c'est quoi? L'eau, c'est un liquide. C'est même LE liquide. Celui qui compose 80% de votre corps et 80% de mon café. D'ailleurs, l'eau est souvent transparente. Mais pas toujours. Parfois bleutée, parfois verdâtre, parfois marronasse, parfois couleur café. L'eau est partout. Que ce soit en aquarium, en flaque d'eau, en océan, dans une rivière ou bien dans un verre, l'eau nous entoure, que ce soit dans la réalité ou dans les jeux vidéo. Et parfois, c'est même le personnage principal du jeu, à peu de choses près. De jeux de plongée sous-marine jusqu'à une petite pluie entre deux combats, énormément de moyens sont déployés pour représenter de manière crédible le liquide. Mais représenter l'eau n'est pas chose facile. Que ce soit en 2D ou en 3D, beaucoup de problèmes techniques peuvent venir se mettre en travers d'une représentation fluide. Ou d'une représentation des fluides. Sans aller jusqu'à une eau hyper réaliste, juste représenter une flaque d'eau peut parfois poser problème. Et pourtant, l'eau semble fascinée. Les top 10 des jeux avec l'eau la mieux faite inondent la toile. Et les tests et critiques s'extasiant de vaguelettes ou d'écume dans un jeu qui pourtant n'a rien à voir sont nombreux. Et c'est bien parce que simuler un liquide en 3D est un challenge technique que la communauté des jeux vidéo s'y est toujours intéressée.
Mais est-ce réellement important? Après tout, même en 2D, on trouve parfois des animations aquatiques magnifiques. En fait, si certaines représentations peuvent choquer, c'est parce qu'elles semblent trancher avec le reste du jeu, de ses graphismes ou de son gameplay. Par exemple, ça, c'est pas de l'eau. Non. Ça, c'est pas de l'eau. Non. Ça, c'est de l'huile. Et ça, à mon avis, c'est du plastique. Il semblerait que parfois, la recherche de la meilleure simulation d'OTM ait été plus importante pour les développeurs qu'une simple question de cohérence graphique, voire même de notion d'esthétique. Alors que certains jeux, se voulant plus simples graphiquement, ont souvent réussi à faire des effets bien plus mémorables. Et d'autres fois, au contraire, de grosses productions nous montrent qu'il y a une belle évolution dans la simulation des liquides. Si on peut espérer voir de plus en plus de représentations très réussies dans des jeux en 3D, on peut aussi s'attendre à voir certains développeurs faire marche arrière. Et au contraire, choisir de tout représenter en 2D très simple, avec des graphismes très directs et surtout beaucoup moins coûteux. Car après tout, un jeu en 3D hyper réaliste n'aura certainement pas le même coût qu'un jeu au graphisme 2D très simpliste. Vouloir à tout prix simuler de façon hyper réaliste un liquide peut porter préjudice au projet entier, parce que ce sera souvent aux dépens d'autres éléments du jeu. Au final, tout est une question de choix, de direction artistique et surtout de dosage. Un peu comme dans un café. Là encore. Mais après tout, on peut se permettre bien des choses dans les jeux vidéo. Et qui sait, peut-être qu'un jour on pourra jouer directement avec l'eau de notre bain. On peut rêver. En attendant, je retourne me servir de l'eau caféinée. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas, ce sont les petits grains qui font les grands cafés, et les petits détails qui font les grands jeux. Qui a laissé le robinet ouvert ?